Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler comment changer les extensions du fichier sur n'importe quel dossier. On va essayer de changer le type de ce fichier. Fichier texte, on écrit n'importe quoi, on fait enregistrer ici. Je vais essayer de le je vais essayer de changer ce texte en forme d'une page web HTML. Et voilà, point HTML. Oui. On essaye de l'ouvrir, mais il reste un fichier texte qui s'ouvre avec le bloc-notes. C'est pour cela que j'ai fait ce tuto pour résoudre ce problème. On va suivre ces étapes. Au début, on va cliquer sur Menu démarrer, puis par notre configuration pour les utilisateurs de Windows 7. Plusieurs icônes vont afficher. On cherche à option des dossiers, comme on trouve là, voilà. On écrit, on y clique. Puis, il y a l'onglet affichage. On y clique ici. Cela, on trouve dans les paramètres avancés la configuration de vos dossiers sur votre ordinateur. On recherche cette phrase. On la trouve dans le dossier lors de la saisie au mode affichage liste. On trouve cette phrase qui est la plus importante à notre sujet, masquer les extensions des fichiers dont le type est connu. Sur votre ordinateur et sur tous les ordinateurs généralement, cette phrase est cochée comme cela. On va la décocher, puis on y clique sur appliquer. OK. On ferme cette fenêtre. Puis on essaie de faire un autre fichier texte et le changer en HTML. Par exemple, Google. Cela ouvert normalement avec le bloc-notes. On essaye de le renommer ici. .html. Voilà, cette notification doit avoir lieu pour valider qu'on va modifier l'extension. On clique sur oui. On ouvre le fichier. On remarque que ce fichier est ouvert maintenant en Google Chrome. Cela vous confirme qu'on a changé le type de ce fichier. Merci à tous et abonnez-vous à ma chaîne pour plus de vidéos. Merci, au revoir.